Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui aujourd'hui va s'intéresser à plusieurs sujets différents. D'abord, on va parler de l'hygiène des mains. Et oui, il y a une journée mondiale consacrée à l'hygiène des mains, au lavage des mains, au milieu hospitalier, mais aussi dans au courant, au quotidien. C'est pour un peu essayer de faire comprendre aux gens que, eh bien, les mains sont un facteur de propagation énorme de virus et de maladies infectieuses. On en parlera avec le docteur Boudriwa Dalel qui viendra nous rendre visite. Ensuite, eh bien, nous allons parler de parapente. Ça se passe à Mila. Non, on va pas, pardon, d'abord parler de sport. Sport avec un séminaire international qui se déroule actuellement à Constantine. Sport, santé et sciences, donc les trois piliers de ce séminaire. Le professeur Benkaraï Yassine viendra nous en parler. Ensuite, nous allons parler de parapente. Ça se déroule à Mila. Et oui, il y a eu une rencontre nationale. Et Belmohoub Hamidou, plutôt Belmohoub Ahmed Dihmidou, viendra nous en parler. Il est le président de l'association d'un club de parapente à Mila. Ensuite, nous allons terminer par ce festival qui continue à se dérouler à Constantine. Tqtar Lmaoul World. Ça, je le dis bien, je ne dis pas distillation parce que. Ça va un peu dévier le sens du mot. Je préfère Tqtar Lmaoul World, qui se déroule actuellement à Constantine. Et il y a un très beau défilé à Constantine. Et voici la Bachachi, qui est artisane, viendra nous en parler. Voici le programme complet de ce Bonjour d'Algérie qui va démarrer, comme à son habitude, par une petite balade aérienne sur la ville de Constantine. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي Nous fait toujours rêver, nous fait toujours voyager sur les airs de Constantine avec la voix bien du maestro Allah yarhamou, Hajj Mohamed Tahar Fergani. Et bien, je crois que c'est une bonne entrée en matière pour parler d'un autre sujet qui est complètement sanitaire. Nous allons parler bien sûr de cette journée consacrée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au lavage des mains, à l'hygiène des mains. Et d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Boudriwa Dalel. Marhababik, merci d'être Merci, là. merci, bonjour. Ça Bonjour à va? tous, merci. Je sais que c'est Ça la va, première fois, on a toujours un peu peur, mais Oui. bon, n'ayez pas peur. On a essayé de parler un peu de cette Oui. opération initiée au milieu d'abord hospitalier, parce que Tout c'est à fait. important. Alors, on oublie parfois que les mains, parce qu'on les utilise beaucoup, donc c'est un facteur de propagation
extraordinairement rapide de toute maladie infectieuse. Justement, la main constitue le premier contact de l'être humain avec l'environnement. Lorsqu'on parle d'environnement, il s'agit de surface, de tout objet inerte ou même des autres personnes. Voilà, c'est pourquoi on célèbre chaque année, le 5 mai de chaque année, donc cette journée internationale de l'hygiène des mains, au cours de laquelle on sensibilise la population générale, mais aussi et surtout la population hospitalière, notamment les professionnels de santé, parce que la main constitue un vecteur de transmission des infections associées aux soins, mais aussi constitue un vecteur pour la transmission des infections dites courantes dans la population. Voilà, c'est vrai qu'on a remarqué, on s'en rendait pas compte. Pour nous, l'hygiène des mains était quelque chose. Bon, c'est vrai que peut-être nous, en tant que musulmans, on se lave les mains parce qu'on a pour faire la prière, mais aussi peut-être qu'il faudrait encore accentuer et répéter plusieurs fois cette opération, je pense. Justement, c'est vrai que c'est un geste anodin qui paraît simple, mais cette pratique vraiment n'a pas été facilement appliquée, notamment si on voit l'historique, par exemple, de l'hygiène des mains. Par exemple, on ne peut pas parler de l'hygiène des mains sans parler du père du lavage des mains, qui est un médecin hongrois, Ignaz Philipp Samuelweis, qui est le premier à instaurer cette mesure dans l'histoire. Donc, pour la petite histoire de ce médecin hongrois, en 1847, il exerçait comme obstétricien dans un hôpital à Vienne où il a constaté un taux de mortalité très élevé parmi un service où exerçaient des jeunes médecins. Par contre, dans un autre service, juste à côté, à Vienne, le taux de mortalité parmi les femmes qui accouchent était de 1%, alors que dans le deuxième service où exercent les médecins, était de 30%, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc, il a commencé à se poser des questions. Après la même année, il y a eu un décès d'un confrère médecin qui, lui, il exerçait des autopsies. D'accord. Voilà, après s'être coupé la main lors d'une autopsie par le scalpel, ce médecin, il succombe à une infection dont les symptômes sont un peu similaires aux symptômes qu'il voyait chez ces femmes enceintes. D'accord. Voilà. Après, justement, il y a eu le déclic d'emblée. Il a conclu, c'est-à-dire même avant qu'on connaisse la notion des agents pathogènes, à ce moment-là, aucun virus ni bactérie n'a été... On ne connaissait même pas ce que c'était un virus. Voilà, il a compris quand même que les cadavres peuvent transmettre des particules qui seront invisibles, mais létales. Donc, un deuxième point qui a appuyé sa théorie, c'est que uniquement les médecins étaient autorisés à pratiquer des autopsies. Les sages-femmes, le deuxième service où le taux de mortalité était bas, où exerçaient des sages-femmes, donc les sages-femmes n'étaient pas autorisées à pratiquer des autopsies. Donc, il a appuyé sa thèse ou son hypothèse selon ses constats que les médecins véhiculent par leurs mains des services d'autopsie vers la salle d'accouchement des particules invisibles. C'est vraiment une découverte extraordinaire parce que justement la notion des agents pathogènes n'était pas du tout connue. N'était pas connue d'abord. À ce moment, voilà, lui, il parlait déjà de particules invisibles qui sont justement, il a compris le mot justement de transmission. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a compris le mot de transmission sans qu'il connaisse vraiment la cause. Oui. Donc, que ces particules sont transmises par la main des médecins de la salle d'autopsie vers la salle d'accouchement. C'était le premier qui a instauré justement la mesure, le lavage des mains. Il a obligé les médecins à se laver les mains à cette époque avec une solution d'hypochlorite de calcium. Donc, il a imposé cette mesure. Oui, cette mesure. Et vous pouvez l'imaginer, donc le constat juste après cette mesure, c'est-à-dire l'obligation du lavage des mains, le taux de mortalité a nettement baissé. Voilà. Justement, c'était le premier fait dans l'histoire. Donc c'est le précurseur d'abord du lavage des mains. Et puis, ça peut paraître une évidence quand on dit « s'est rendu compte », mais il n'avait aucune connaissance antérieure. Voilà, il n'avait aucun moyen de voir ces particules invisibles, parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Nous, maintenant, dans notre époque, ça paraît évident, parce qu'on a l'appareillage suffisant et nécessaire pour voir les atomes et les ions. Donc, voilà. Donc, c'est pour expliquer un peu que, quand même, la découverte est assez importante à son époque, avec des moyens rudimentaires. Ouais. Mais ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a imposé le lavage des mains. Et d'ailleurs, c'est une règle générale chez nous en épidémiologie. Il faut commencer les mesures préventives, même si on ne connaît pas la cause.
cause. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre à identifier le germe ou identifier la cause du problème de santé pour commencer les mesures préventives. C'est ce qu'il a fait justement, ou ce constat a prouvé l'efficacité justement de l'hygiène des mains. Maintenant, actuellement, on dispose de beaucoup de données qui prouvent l'efficacité de l'hygiène des mains déjà pour diminuer le taux d'infection associé aux soins. Mais aussi pour diminuer le taux de transmission dans la population. On a vu l'exemple de la COVID. Alors c'est un exemple quand même vivant pour la société actuelle. Voilà. Certaines personnes me disaient comment se fait-il qu'en 2020-2021, bah, c'était au début du corona, on nous apprend à nous laver les mains. Oui, c'est un geste anodin qu'on fait. Mais pourquoi on nous apprend? Mais voilà, ça, on a vécu quand même ce qu'est l'importance de se laver les mains pour barrer la route aux virus et aux bactéries. Voilà. Justement, parce que c'est une mesure importante pour lutter contre la propagation de ces germes dans la communauté générale ou dans une population hospitalière, parce que le point le plus important, c'est de briser la chaîne de transmission. La chaîne de transmission, c'est quoi? C'est un agent pathogène, c'est un mode de transmission et un récepteur. Et souvent, la main constitue le véhicule entre ces trois maillons de la transmission de la chaîne épidémiologique ou de la chaîne de transmission de tout un germe. Donc, quel que soit son mode de transmission, même si c'est un germe à transmission aérienne ou par gouttelette, on a vu que lorsque ces particules se déposent sur des surfaces, lorsqu'on touche ces surfaces, après on rapporte la main à la bouche, au nez ou aux yeux, donc on contracte ces particules même si... C'est vrai que même si on tousse, on éternue, quand on a dans la main, si après on touche, par exemple, je touche moi ma chaise, la personne qui viendra après, elle va prendre le virus, qui a quand même une durée de vie sur cette surface, qui est relative, ça dépend du virus, de la bactérie, mais quand même, il y a une durée de vie qui peut rester quand même un moment, je ne dirais pas combien, peut-être 1 heure, 2 heures, on ne le sait pas, mais ça dépend de la bactérie du virus, et là... Après, ben, on peut se le transmettre d'abord et le donner aux autres. Justement. Donc voilà, c'est important de se laver les mains. Moi, je me suis rendu à l'hôpital pour voir comment se déroule et j'ai rencontré deux médecins. Vous allez voir qu'au CHU de Constantine, on a pris quand même ce qui paraît un peu bizarre parce que quand on a parlé de la journée mondiale de l'hygiène des mains, on me dit « Ah bon, il y a une journée mondiale pour le lavage des mains ?» Eh bien, vous allez voir que c'est très important. Reportage.
il est devenu automatisé. Dès qu'on touche à quelque chose, donc le cerveau, il s'est habitué. Soit on utilise l'alcool, l'alcool, ou bien on utilise de l'eau avec du savon. Et d'ailleurs, c'est la meilleure solution, se laver les mains. Il n'y a pas mieux que de l'eau avec du savon. Donc, se laver les mains avant de rentrer au bloc, donc, c'est une obligation. Il y a des techniques, vous allez voir ça, pour laver les mains avec des brosses, bétadiner 2 à 3 fois. Donc, il y a toute une procédure à respecter. Et on essaie de... On essaie de transmettre ça aux jeunes résidents. Donc, c'est un geste qui paraît un petit peu banal, que nous ne lui donnons pas de l'importance, mais c'est un geste qui permet de prévenir la transmission de beaucoup de germes entre les malades, entre nous-mêmes et les malades, entre nous-mêmes et nos enfants, entre nous-mêmes et les gens qui nous Voilà donc reportage. Bon, on était à l'hôpital, on a vu quand même que c'est très très important de se laver les mains, surtout dans les services de chirurgie. Oui. Ça, c'est très important. Mais ça n'empêche pas que les autres aussi, n'importe quel autre, voilà. Justement, ça concerne tous les professionnels de santé, mais justement à des degrés différents. Il y a 5 techniques de l'hygiène des mains selon le degré d'asepsie nécessaire. Il y a le lavage simple. C'est-à-dire, avant de parler de technique, on peut parler d'abord de la flore qui existe sur notre peau. La flore cutanée, elle est de deux types. Une flore transitoire et une flore permanente. La flore permanente, c'est la flore habituelle. C'est une flore qui réside naturellement sur notre peau. Par contre, la flore transitoire, c'est une flore contaminante. C'est celle c'est-à-dire on la contracte lors de l'activité, lorsqu'on touche une surface, une poignée de porte, etc. Donc, et c'est la flore contaminante qui est responsable. La plus dangereuse. Voilà, la plus dangereuse et qui est responsable de ces infections graves. Donc, les techniques des lavages ou d'hygiène des mains, pour parler plus généralement, parce que le lavage, ça sous-entend. Ça sous-entend autre chose. Non, ça sous-entend qu'il y a de l'eau. Alors que l'hygiène des mains, c'est un terme générateur pour le lavage, quand on l'effectue, lavage eau et savon, et quand on l'effectue uniquement avec des produits hydroalcooliques, la solution. Donc, quelle que soit la technique, soit un lavage ou une friction, donc en fonction des degrés d'asepsie, par exemple, le lavage simple, où on utilise de l'eau et du savon, vise uniquement de diminuer la flore transitoire. Très bien. C'est-à-dire la flore contaminante, mais n'a aucun effet sur la flore permanente, parce qu'on ne vise pas généralement, lorsqu'on effectue un lavage simple, on ne vise pas un haut niveau d'asepsie, c'est-à-dire l'asepsie, c'est-à-dire éliminer tout risque infectieux. Par contre, pour les interventions chirurgicales ou des actes invasifs, où on vise vraiment des niveaux d'asepsie élevés, il ne suffit pas d'éliminer la flore transitoire, mais aussi il faut éliminer la flore ou diminuer au maximum la flore permanente. C'est la flore qui est difficile à éliminer. Donc on vise, on utilise la friction, soit un savon antiseptique, donc le savon doux n'a aucune efficacité sur la flore permanente, soit un savon antiseptique ou bien des gels, des produits hydroalcooliques, des solutions hydroalcooliques. Donc pour viser cette flore permanente. Mais en général, nous, ce qu'on va recommander à nos amis téléspectateurs qui nous suivent, c'est d'abord de se bien laver les mains plusieurs fois. On a vu que l'OMS recommande entre 5 et 7 fois, peut-être un peu plus si on peut, à chaque fois qu'on a un contact. Bon, ça, c'est régulier. Mais, tout à fait. Et puis, la durée, c'est important. Ce n'est pas seulement frictionner et se laver, c'est quand même, il faut aller au moins jusqu'à une minute, bien se laver les mains, c'est ça. Justement, parce qu'aucune technique n'a un effet rémanent, c'est-à-dire même la friction, même si je frictionne, si je touche une autre surface, c'est bon. Voilà. Son efficacité est... Elle est temporaire. Jusqu'au prochain contact. D'où la nécessité de répéter à chaque fois, à chaque occasion. Donc, Alors, sans être alarmiste, sans crier attention aux germes, mais bon, on va recommander quand même aux gens de bien se laver les mains et de se laver régulièrement. C'est ça. Tout à fait. C'est pourquoi l'OMS a choisi le slogan « Lavez-vous les mains, sauvez des vies ». Donc, parce que
comprend très bien l'intérêt actuellement, notamment après la pandémie Covid, que réellement, moi, je peux contracter une infection, mais si je la transmets à une autre personne qui est plus vulnérable, je peux la tuer. C'est-à-dire, le fait de laver les mains peut vraiment sauver des vies. Ouais, c'est vrai. Même si on n'est pas touché, on a compris durant la Covid qu'on peut être un facteur de transmission sans être touché, parce que les autres, les personnes vulnérables qui sont autour d'où de l'intérêt. Alors, docteur, peut-être qu'on va terminer par un conseil, parce qu'on arrive maintenant à la fin. Mm-hmm. Donc, le conseil en général que l'on peut donner, c'est... C'est de ne pas sous-estimer cette pratique, justement, et de répéter à chaque occasion, donc lavez-vous les mains, ça... Ouais. C'est le slogan de l'OMS, on le répète encore une fois. On l'a dit, ça paraît anodin, mais il faut répéter. Et c'est bien d'avoir un petit gel hydroalcoolique dans la poche. Ça peut toujours servir parce qu'on peut-être qu'on n'a pas toujours le contact des mains, le contact avec le savon et l'eau, on n'a pas en permanence. Peut-être qu'il serait bien de temps en temps d'avoir une petite bouteille, ça ne coûte rien du tout, c'est pas très cher. Justement, et puis on la met c'est plus efficace, c'est plus rapide, c'est plus disponible, donc ça facilite encore l'observance de l'hygiène des mains. Très bien. Merci docteur beaucoup. Docteur Boudelois Delel, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur spécialisé en épidémiologie au service du CHU de Constantine. Je vous remercie. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être là. J'espère qu'on vous retrouvera pour d'autres sujets. Merci. Parce que je sais que votre service travaille surtout dans la prévention, ce qui est très important. Surtout, on a vu que pendant la Covid, vous étiez très sollicité par rapport aux autres services. Voilà. Merci docteur. On va juste transiter vers un autre sujet, donc on va parler de sport, on va juste se rendre à Guelma. Guelma qui célèbre chaque année les massacres du 8 mai 1945. On sait que Guelma a été une des régions les plus touchées en Algérie. Il y a eu beaucoup des milliers de morts. Et chaque année, on célèbre par une marche, par des manifestations, enfin par des rencontres historiques, mais aussi par le sport, parce que c'est important. Et il y a toujours ce marathon qui est devenu traditionnel, le marathon du 8 mai 1945. Aïcha Boubert s'est rendu à notre place à Guelma. De la célébration de 8 mai 45, le club Calama Runic a organisé un semi-marathon, ce marathon qui est une distance de 21 km, qui était au départ de la PC de Hamel Dbeir et l'arrivée au complexe Olopov de Guelma. Donc il y a eu quand même une forte participation de pratiquement 912 athlètes et donc composé aussi de femmes. Et de femmes aussi, et aussi des handicapés aussi qui ont participé aussi à cet événement. Cette opération aussi, une réussite par rapport aux moyens. Les moyens, ça a été une réussite dans le domaine de l'organisation et dans le milieu aussi sportif. أني فزت بهذا السباق وما جاش سهل هذا السباق حقيقة كان بالعمل والجد طيلة موسم رمضان كامل كنت نحضر لهذه التظاهرة الرياضية المعروفة هي مجلة 8 ماي اللي ضحت عليها الشهداء تاعنا الحمد لله أنه التنظيم كان في المستوى العداء إن جاءوا بقوة من جميع الولايات حوالي 900 عداء السباق كان في المستوى من حيث التنظيم والتكتيك كنت نسوق في السباق نظر الرياح تراجعت لورا وعرفت كيف نجيري السباق وفي الأخير عرفت كيف نتفوق على العدائين مع أنه العدائين معظمهم كل عدائين في المستوى المنتخب الوطني وهذا راجع يعني ما جاش بالسهل يعني بالعمل
وإن شاء الله نتمنى أنه تكون تظاهرات أكثر هذه في الجزائر للحفاظ على سلامة الرياضيين وكذا إعانة الدولة العدائين لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية. الحمد لله يا ربي كما تحصلت على المرتبة الثانية في الترتيب العام والمرتبة الأولى ماستر. المسار مسار ممتاز جدا، تقدر تدير فيه بطولة وطنية ونقدر نقول لك تقدر تدير فيه بطولة عالمية. احنا جرينا البطولات العربية وجرينا في تونس وتحصلنا على المرتبة الأولى وتحصلت على المرتبة السابعة في الماراثون تاع تونس مع ليكينيا، ولكن الحمد لله يا ربي يعني شوف الباركور تاع اليوم تقدر تدير فيه بطولة وطنية وتقدر تدير فيه بطولة عالمية. وفقنا ربي وكملناه وحبطت شويه الكورونا تاعي الحمد لله يا ربي. Voilà, merci à Aïcha Boubrik et puis à Youssef Mzahi et Hicham Chaïta qui nous ont rapporté bien ce reportage. Ils ont assisté à la célébration du 8 mai 1945 à Galma et puis ils nous ont ramené ce reportage. Voilà. On va rester dans le monde du sport parce que le sport, c'est la santé d'abord. Oui. Et puis on va parler d'un sujet qui est important parce que la science au service du sport et du développement avec Yassine Bankara. Merci d'être là, Sbah al-Khair. Merci Ismaël, bonjour Sbah al-Khair. Alors, séminaire international, sport, santé et sciences, donc trois thèmes qui sont réunis autour bien, d'une rencontre scientifique qui a commencé hier, qui se clôturera demain, je pense, pendant trois jours. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Alors d'abord, pour vous, c'est la troisième édition, hein, c'est pas la première, c'est ça. Oui, c'est la troisième édition. C'est un congrès international, donc l'édition 2021, dommage, avec le corona, le Covid, donc on l'a fait online, mais ça a été aussi une réussite parfaite, parce que nous avons un collaborateur qui travaille avec nous, de l'Institut de l'Université de Paris, donc on concorde un peu toutes les tâches sur la préparation du congrès. Donc, ça a été une réussite parfaite. Et cette édition-là, donc, elle est en présentiel. Et ça traite toujours parce que le Congrès international des sciences du sport est devenu un label. Ouais, et surtout une rencontre, rencontre scientifique qui est devenue, on va dire, un rendez-vous pour les experts et les spécialistes que vous êtes. Et nous, au niveau de l'organisation, on a voulu que réunir les acteurs dans le domaine des sciences du sport de tout le monde. Alors, il faut insister, c'est le sport vu d'une manière académique et scientifique. Oui, oui. Parce que vous êtes enseignant à l'université, à l'Institut des sports. Donc c'est important, c'est un regard quand même académique et scientifique, ce n'est pas un regard qui est pratique. Oui. Mais vous incitez à la pratique. Bon, bien sûr, parce qu'il y a des données. Et il faudrait au préalable souligner que le sport maintenant, il s'appuie beaucoup plus sur les données scientifiques. Parce que le football, la natation, ce ne sont pas des sciences. Ouais. Il n'y a pas de science exacte. C'est des techniques, c'est des technologies. Voilà. Mais la science, qu'est-ce que donne la science? Qu'est-ce que rapporte la science au bénéfice de cette action, de cette activité-là? Et je pourrais citer la physiologie, la morphologie, l'anatomie, la biomécanique, la psychologie. Et là, c'est tous les thèmes qui sont réunis, tout ce qu'il y a autour de la pratique sportive, avec comme objectif une bonne santé, je pense. C'est ça l'objectif premier. C'est sûr, parce que nous l'avons souligné pas mal de fois, quand on fait de l'activité physique sportive d'une manière générale et spécialement l'entraînement sportif, on a affaire à une machine. Oui. Et cette machine, c'est une machine humaine. La machine humaine, quand il y a un problème qui est sur le plan santé qui arrive, donc des fois, c'est irréversible, on ne peut pas se rattraper. C'est pour cette raison-là que l'apport des sciences intervient pour justement préserver la santé de l'individu, à raffermir cette santé, et pour les personnes âgées, vieillir en bonne santé. En bonne santé, bien vieillir, on va dire. Bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, qu'en rencontrant les experts qui étaient là, moi, j'ai perçu quand même quelque chose qui a attiré mon attention,
et on va l'écouter bien sûr dans le reportage, c'est le fait que l'on peut, eh bien, que le sport peut être une thérapie. Au lieu d'utiliser des médicaments, peut-être qu'on peut prescrire une pratique sportive pour remplacer les médicaments. C'est justement, c'est la nouvelle tendance. Maintenant, vous allez chez un médecin, quelle que soit la pathologie, tout de suite, il vous dit, monsieur, il faudrait que vous fassiez de l'activité physique sportive. La moindre des choses, c'est de marcher. Voilà. Faire de la natation, faire du cyclisme, faire... la tendance actuelle, c'est comme un médicament, c'est une prescription. Ouais. Et d'ailleurs, nous, on travaille en collaboration avec le service de physiologie. Donc, du docteur Bouglida. Oui. Qu'on en salue au passage. On le salue. Ouais. Donc, pour justement prescrire la bonne prescription pour... Ouais. Pour la bonne ordonnance sportive, on va dire, pour être en bonne santé. Parce que prescrire de l'activité physique, c'est pas... Qu'on ne peut pas la pratiquer, la donner la même pour tout le monde. Il faudrait que ça soit spécifique. Bien sûr. Vous et moi, nous n'allons pas avoir la même ordonnance en termes de médicaments. Pour la pratique sportive, il faudrait penser que ça soit comme ça. Oui, ça veut dire que votre pratique... La mienne, c'est pas la même chose. C'est individualisé. Et même, à titre d'exemple, on ouvre une parenthèse, si j'ai envie de prescrire une tâche, par exemple, marcher, pour une personne qui a 50 ans, une personne qui a 20 ans, c'est pas la c'est même chose. C'est pas la même intensité, c'est pas la même durée. Et maintenant, par exemple, on dit... C'est autre chose. Donc, une fréquence cardiaque cible, c'est pas comme faites cette activité dans telle ou telle zone. Donc, c'est pas la même chose du tout. L'autre, il l'a fait à 150 pulsations par minute, l'autre, il l'a fait à 130. C'est pas la même chose. Oui. C'est pour cette raison-là que l'intervention du spécialiste du sport est très importante, bien sûr, quand il s'agit de prescrire une activité physique et sportive de la part d'un médecin. Alors hier, à l'ouverture, on a rencontré plusieurs personnes, plusieurs experts qui sont venus, bien sûr, pour enrichir le débat. Le compte-rendu de la journée d'hier, l'ouverture de ce séminaire, le 3e congrès international du sport. معهد الرياضة أنه تعود كل سنة ينظم ملتقى دولي حول موضوع معين من مواضيع الرياضة. طبعا موضوع هذا الملتقى هو الرياضة علم وصحة، وأنا متأكد باللي في لا كاليتي دي زانترفونون دي كومونيكاسيون كي فون تاتر بريزونتي، هذا الملتقى سوف يكون ناجح سواء سور بلان تيوريك اكاديميك او سور بلان براتيك، وراح يكون فيه فايدة كبيرة للطلبة وللجامعة ككل. لاتليت اي سور ان تريبيي. Il est sur un trépied qui est composé donc de trois pieds, le sport évidemment, la santé, puisque moi-même je suis médecin et je m'occupe des athlètes de haut niveau, mais également la science, puisqu'elle a sa place, elle a une place prépondérante dans le sport de haut niveau. Et je vous avoue que le déplacement vaut la peine. Quand on voit la brochette d'experts qui sont présents et qui vont certainement nous enrichir par un échange très fructueux, d'autant que nous sommes à la porte des Jeux Olympiques de Paris. لازم يكون عندنا الذكاء والحركة الرياضية وحتى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية تعتمد على مخبر ولاية قسنطينة. أنا متأكد يعني كأستاذ وباحث إلى آخره وكرئيس لجنة الوزارية يكون يعني قفزة نوعية. Moi, je suis spécialiste dans les deux nouvelles technologies et surtout comment les sports de demain, surtout dans le domaine du foot, comment par exemple les big data, l'intelligence artificielle va venir dans les prochaines années apporter sa contribution pour le développement du sport au niveau international, surtout le football et d'autres sports. Moi, ma thématique, c'est de partir finalement du sport santé, de montrer ce que la physiologie
à apporter au sport santé et de se dire qu'il y a une analogie avec la performance et qu'il y a un lien en fait entre les trois. L'OMS vous dit de faire 150 minutes d'activité physique par semaine jusqu'à 300 minutes, mais il ne détaille pas vraiment en fait l'intérieur. Ce sont des grandes recommandations données à 8 milliards d'individus, puisqu'on est presque 8 milliards sur la planète. L'idée c'est de se dire, à partir des recommandations, qu'est-ce qu'on peut donner en fait comme minimum aux gens et sur quoi il faut tendre, parce que ça correspond à un grand panel de gens, ça, ces 300 minutes. Mais entre l'obèse, le diabétique, le coronarien, le sportif de niveau, il y a quand même des sacrées nuances. Donc c'est ce que j'essaie un petit peu d'apporter par la suite. La conférence que je vais faire est concernée par les différences entre le manque de mouvement physique et la quantité de séjour et son impact sur la santé. La conférence précédente dans les années passées أثبتت أن هناك فرق بين الجلوس وما نسميه الخمول البدني وهو عدم ممارسة حد أدنى من النشاط البدني وبالتالي فإن عدم ممارسة الرياضة يعتبر عامل خطورة وكذلك كثرة الجلوس عامل خطورة آخر له تبعات سلبية أخرى. Aujourd'hui on parle de thérapie sans médicament, c'est-à-dire le sport est prescrit. Un congrès pareil peut offrir au fait des rudiments de base, peut offrir au fait des connaissances qui intéresse les étudiants et les chercheurs. L'Algérie est un pays très riche, enfin, et puis très jeune. Donc indirectement, s'orienter vers la pratique sportive, pas seulement, mais la prescrire et l'encadrer, devient en fait une thérapie qu'on peut conseiller. Donc on attend un petit peu de ce congrès avec la participation des collègues qui sont venus un petit peu de partout. On a de l'Arabie Saoudite, on avait aussi des collègues qui devaient venir de très loin. L'intérêt, c'est vraiment le transfert, d'une. Ça c'est d'une. De deux, il y a aussi les techniques. Donc nous, par exemple, au niveau hospitalier, on utilise donc des techniques de prise en charge des blessures. Mais il faut bien sûr des bases, au fait, de connaissances qu'on peut transmettre à travers ce type de congrès pour réussir après, bien sûr, à former bien sûr les nouvelles générations des UFR, enfin, sur du sport, ou bien les médecins du sport. Voilà, donc ça c'est l'ouverture du congrès. Je pense que déjà, on va dire que ça a bien débuté, donc c'est déjà un gage de réussite. Il reste que les séances de plénière et les échanges vont être encore plus enrichissantes, n'est-ce pas Yassine ? Oui, ça s'est très bien passé hier, notamment parce que nous avons démarré avant l'ouverture, à partir de 8h, les inscriptions, puis les ateliers. On a démarré 3 ateliers le matin, puis la plénière. Donc avec l'ouverture, avec la conférence de M. Toussaint, une petite pause déjeuner et on a terminé pratiquement vers 6h30. D'accord. Donc ça a été une journée pleine et puis surtout très très enrichissante, pardon. Oui, non pas seulement pour les enseignants et les élèves, mais surtout pour les étudiants. Oui, vos étudiants. Oui, oui, les doctorants, même les masterants, même les étudiants en licence. Ils étaient là pour s'imprégner des dernières données en matière de sciences appliquées aux activités physiques et sportives. Là c'est, on va dire quand même, de telles rencontres, ça, quand même, c'est pas facile à organiser, c'est très difficile, sais. Mais quand on connaît le résultat, on dit « Malish, on va dire ça, voilà, oui, c'est oui, pas… Oui. » Oui, parce que ça fait presque… on a débuté en retard. Plus de 6 mois qu'on travaillait tous les jours à peu près, en collaboration avec le professeur Chiha. Oui, il faut être Chiha, quand ouais. Parce que c'est la cheville ouvrière quand même de ce congrès. Ouais. Même avec les collègues qui ont mis la main à la pâte. Et nous sommes en fait très satisfaits du résultat final, notamment la première journée de ce congrès. Très bien. Donc, il reste la journée de demain. Vous allez clôturer par des recommandations, mais surtout déjà préparer le prochain séminaire. Dans 2 ans, Inch'Allah. Dans 2 ans, Inch'Allah. Voilà. C'est vrai que chaque 2 ans, c'est, on va dire que c'est une bonne périodicité, le temps
de récolter encore d'autres informations et puis surtout de préparer ce genre de congrès, parce que c'est très technique, c'est très scientifique. Quand il y a des gens qui arrivent, donc ils disent c'est facile de mettre sur pied un congrès, mais c'est pas du tout facile. C'est très, très, très difficile. Le ramadan, avec le décalage horaire avec notre ami Jemaï, donc nous, on arrivait après Tsaraouir, vers 11h, déjà, et c'est minuit, et on restait. Fouad, il dit on va prendre encore une demi-heure. À quelle heure? 2h30 du matin. À Paris, c'est à 4h. Donc, oui, c'est pas facile, et on a travaillé pendant plusieurs mois dans cette dynamique-là. Mais finalement, on est très content, on est très satisfait. Bah, oui, surtout quand on voit comme le Seyoudia Hazam. Hazza. Oui, c'est une référence en termes de physiologie dans sa spécialité. Donc, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup pour le séminaire. Bien entendu. Il va clôturer notre congrès. Donc même, il y avait une stratégie dans le placement des congressistes et surtout les conférenciers. Al-Hazza, c'est une référence en matière de physiologie, non seulement en Arabie Saoudite, mais dans tout le Golfe et dans tout le monde. Et pas mal de nos étudiants, ils le citent dans leurs travaux, notamment dans ses expériences et ses questionnaires. Et c'est un apport, donc, et les étudiants sont dans une autre dimension. Oui. De voir leurs références. Ils le côtoient. Ils peuvent lui parler, ils peuvent lui poser des questions directement. C'est une excellente expérience, non seulement pour notre institut, non seulement pour les données à partager sur le plan scientifique, mais surtout pour nos étudiants dans différentes palis. Oui, ce qui est bien aussi, c'est que les recommandations vont servir. Faudrait-il encore que, il faut les exécuter, les mettre en pratique. Là, c'est un autre débat, mais ça serait bien, parce que l'un des intervenants m'a dit ce qui se fait à l'Institut de Constantine est très important. Ça serait bien qu'il soit pris en référence dans le domaine sportif, en général, on va dire, mais aussi en particulier, notamment dans la préparation des grands événements. Oui. Nous avons toujours veillé à ce que les choses se passent d'une manière très pointilleuse, très fine, et pour satisfaire tout le monde. Les intervenants, les congressistes, nos étudiants, beaucoup plus. Et nous sommes très, très, très attirés, je le répète. Alhamdoulilah, nous avons veillé, nous avons beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup mais plus. Mais ça fait plaisir de voir le résultat. Oui, le résultat avec l'assistance. Ouais, ça fait plaisir. Même nos confrères des autres facultés, ils étaient étonnés. Vous avez de l'assistance, beaucoup d'assistance. Ouais. La qualité des congressistes, vos étudiants, ils sont là, ils sont dynamiques, ils participent. Et ça, c'est bien. Voilà, ça c'est un gage de réussite. Ça nous fait plaisir. Ouais. Ça nous fait beaucoup, énormément plaisir. Alors, on se projette déjà vers l'avenir Oui. Nous avons un projet avec Haïdar, Jemaï et Fouad, que ce congrès ne va pas rester uniquement sur Constantine. Très bien. Ce projet, vous allez le déplacer puisque le congrès des sciences du sport, donc on essaye de le déplacer. Dans différentes... Déjà à l'ISTS, l'Institut supérieur des sports. Si un institut des STAPS à Ourgla, à Biskra... À Béchar ou à Oran. On leur donne notre label, qui est le Congrès international des sciences du sport. Et on est là pour... Pour les aider. Oui, pour les aider, pour faire un parrainage pour l'organisation. C'est un projet... C'est un transfert scientifique inter-université qui peut se faire. Et ça se fait un peu partout dans le monde. Voilà, Pourquoi ne pas le faire ici? Comme le congrès de la CAPS en France. Une fois il est à Paris, une fois il est à Nantes, une fois il est à Marseille. Ça serait bien de le faire voyager à travers le pays pour que cette connaissance soit partagée au bénéfice du maximum d'étudiants. On arrive à la fin, qu'est-ce qu'on peut dire, Yassine Benkara? Peut-être remercier
bon, on ne peut pas remercier les sponsors, mais on va les remercier sans les citer. Je suis les recommandations de M. Sebastien. Mais je tiens à remercier énormément, notamment un organisme qui est l'APC de Khroub, qui nous ont beaucoup aidés, sans oublier tous les collègues, tous les confrères qui nous ont aidés, qui ont mis la patte pour l'organisation, qui sont déjà sur place. Pour les séances de plénière. Pour la réussite de ce congrès. L'université de Constantine Abdelhamid Mahri, monsieur le recteur, et tous les intervenants, tous les acteurs qui ont fait que ce congrès soit une réussite, non seulement pour notre institut, mais pour l'université et pour Constantine surtout. Et pour toute l'Algérie, parce que c'est un congrès international. Yassine Bankala, je vous remercie. Merci, mes salutations à mon ami Fouad Chiha, qui est votre alter ego. Je sais que vous travaillez tous ensemble, mais aussi toute l'équipe. Hein, on ne va pas les citer tous, mais on les remercie pour tous les efforts qu'ils font pour la promotion du sport, en espérant toujours, bien sûr, que tout ce qu'ils font comme études, analyses, soit pris en considération par les acteurs du mouvement sportif sur le terrain pour les appliquer. Ça serait bien, notamment dans le domaine de la préparation, dans la préparation des athlètes, l'amélioration de leur performance physique. Allez, on va rester, on va pas être très, très loin du sport, parce que le sport est un facteur qui évite d'abord d'aller dans cette infrastructure que l'on a cité en reportage, qui est quand même un centre de désintoxication. Voilà, c'est important de l'éviter. Alors, pour l'éviter, faites du sport. Ouais. Alors, juste pour transiter d'un sport à un autre, là, c'est un sport, on parlait de sport. Après, on va parler de parapente. C'est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on va en hauteur avec Melmohoub Hamidou, qui va revenir dans quelques instants. Mais pour transiter, nous allons nous rendre au centre de désintoxication à Zouheiri et Slimane de Constantine. Reportage Amina Batouche. مادام قال لي هو الروح سي كيفي عنده اراده الاراده باه يروح يعالج نفسه لازم تكون عندك الاراده هذيك باش تحبسها جيت باش نعالج بغيت غادي نشوف المستقبل لازم فوالا حنايا المركز هو يوميا يستقبل بين 7 8 ساعات نوصلوا حتى ل 10 حالات يوميا وفي الشهر نوصلوا حتى بين 50 حتى 60 حاله جديده وما يخفاكمش باللي هنايا المركز الوسيط لعلاج الادمان هنا بقسنطينه سي ان سونتر بيلوت وراه يتكفل بالمرضى تاع ولايه قسنطينه ولي زوطر ولايه ما يخفاكمش باللي كيما يقولوها ماشي غير الشريحه تاع البطالين المرضى البطالين عندنا شريحه ثانيه تاع الناس اللي راهم يعملوا سي دي ترافايور راهم يجيونا لي زيتيديون لاش ترى هي نسبه قليله هذا ما يمنعش باللي كاينين كيما يقولوها دي زيتيديون ولا دي زيتيديون راهم يكونسوميو هاد المخدرات والاهل تاعهم ثاني دي فوا حنا ندخلوا العائله معنا في العلاج لازم اون كونفوك سوا لو بابا ولا لا مامون وندخلوهم معنا في العلاج وهاد المخدرات منتشره بوكو بلوس وسط لي جون فوالا وسط الشباب بكثره سيرتو حنا ماركينا دونك من 2019 دونك حتى 2023
كاين اقبال على دوموند تاع العلاج الاحصائيات الاخرى تاع الثلاثي الاول هذا تاع العام 2023 تم التكفل ب 425 حاله من بينهم 143 حاله جديده فيها علاج دوائي بيان سور قم فيها العلاج النفسي اي كيما يقولها مريض يجي هنا المركز راه اوتوماتيكمون يحتاج الى دي سيونس دو بسيكوثيرابي يحتاج هو ولا العائله تاعو كنت نتعاطى المولويسات بقوه دواوات بكل المولويسات بكل نشربهم ودوك انا الحمد لله نقصت راني مع المركز راني مع الرياضه مع الصلاه ولا غير الحمد لله شتي بالهضره يعالجك ودوك عطاني تريتمون بشوي قال نعالج مع السبور مع الرياضه مع الصلاه ندعي ربي ان شاء الله راني بديت تسمى نتريك الحمد لله والله نتمنى لهم يجبدوا على الطريق هذه طريق اللي مش مليحه طريق الهلاك طريق الموت شلون تموت بالعقل يومي تموت بالقطره تعاطى وكنت عايش في ظروف مش مليحه من بعد الادمان مش مليح الله ادمان مش مليح نحوس على خدمه باش ننسى الحوايج هذو باش ننساهم ندمج في المجتمع على راحي quand même des témoignages poignants et très émouvants. Et surtout, c'est adressé aux jeunes, aux moins jeunes, et bien éviter la drogue au maximum, parce que le centre de désintoxication est quand même un dernier palier pour retourner dans la vie normale, si on peut dire, parce que la drogue, on a fait. On peut éviter ça. Déjà, comme dans le reportage, la pratique sportive ou les loisirs pour bien se sentir, pour ne pas avoir besoin d'un état second, le sport est très important et quelle que soit sa forme, le sport reste une pratique d'abord bonne pour la santé, mais aussi pour la société, puisque plus on est en bonne santé mentale, plus on est bien, plus on est utile à la société. Alors, on va parler d'un sport qui est un peu particulier, un peu hard, un peu difficile, parce qu'il faut être en bonne santé physique, mais aussi ne pas avoir le vertige, parce que c'est important. Alors, Belbouhoub Hamidou, marhaba bik. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Hamidou nous vient de Mila, où il a organisé une rencontre nationale du parapente. Alors, parapente à Mila, mais je ne sais pas si c'est une fille Mila. C'est nouveau, Le parapente fille Mila depuis 2017. Ah, quand même, c'est assez récent. Oui, 2017. Mais voilà. Le meeting est un peu plus paramoteur. On est sur le parapente. D'accord. Ouais, et nous, le parapente, il y a... Alors, la différence entre le parapente ou le paramoteur, voilà. La différence, c'est le parapente, c'est un terme de la cime de Jibel, les sommets de montagne. Mm-hmm. Voilà. Mais le paramoteur, il y a un terme de l'aquin de Moussataha. Ou de Tla. À l'aide d'un moteur. Et nous, on a voilà, مساعدات تاع الدفع بالمحرك لكن البارابونت راح تقوم بالطيران من الجبال وراح تستعمل تيارات اللي صاعده سواء بارده ديزاسوندونس ترميك او بيان ديناميك اللي راحين يخليوك تكتسب ارتفاعات وراح تقوم بالطيران لمسافات بعيده voler comme un oiseau. Comme les oiseaux, voilà. C'est le rêve de l'homme. Depuis la nuit des temps, l'homme, depuis Icare, l'homme a voulu s'élever dans les airs ou éthère. C'est réalisable maintenant avec les technologies. Bien sûr. Même le vol libre. C'est quoi le vol libre? C'est un vol sans motorisation. Un vol il n'a pas de moteur. Il n'a pas de rire. Voilà, comme les oiseaux. Voilà. Il n'a pas de نفس التقنيات اللي يستعملها الطائر باش تكسب الارتفاعات لانه كي نجيو نشوفوا كل الطيور راهي تكتسب الارتفاع مش فقط بالجناح تاعها راهي سي ما عنده موتور ما عنده كومبوسيبل ما عنده ايسونس ما والو فوالا كاين ديكور وانسوندونس كما قلت لك نسميهم لي تيرميك او بيان لي ديناميك هما اللي يخليوه يكسب ارتفاع بهم والارتفاع هذاك راح يخليه يطير المسافه بعيده مي لازم تعرف باش تعرف كل كولوار وين تلقاهم اوتوماتيكمون نحنا كي نديرو فورماسيون تاع بارابونت ولا باراموتور نقراو علم الهواء اللي هو الايرولوجي هو اللي يخلينا نكتشفوا ونشوفوا كيفاش نعرفوا ونستغلوا هاد لي كورون انسوندونس alors vous faites des formations au club de Mila هكا اوتوماتيكمون à Mila ou bien au niveau de la fédération algérienne des sports aériens donc vous faites partie
Vous faites partie de la fédération. Voilà. Le participant, il dit formation initiale. D'accord. On va de formation autonome. On va de formation confirmée. On va de monitoring. Il y a le tadrib, le tekwin, et la akhiri. Très bien. Mais j'ai même presque oublié de vous présenter parce que vous êtes athlète. Voilà. Parce que Racter, sans jeu de mots, mais vous volez. Vous volez. Paramoteur ou de la parapente? Parapente, paramoteur. Les deux spécialités, voilà. Les deux activités. Très bien. Alors, je vais montrer juste une attestation. Mon ami Smaïn va cadrer. Alors, l'attestation a dit, c'est une deuxième place quand même dans un championnat arabe. Arabe, oui. C'est pas rien. Oui. Non, ça s'est déroulé en Irak. Et voilà, donc, je vous dis, c'est l'année passée, hein, mais je suis d'abzef. Moi, j'ai gagné un dossier content. Voilà. Alors, l'attestation a dit, qui fait participer d'abord, ou qui fait, et comment c'est venu? Bon, ça, c'est une copie, hein, je rappelle juste, mais regardez, c'est une attestation pour mon ami qui s'est classé deuxième. Hein? Je vais vous montrer aussi qui va ça dire comment vous avez participé à... Voilà, la fédération algérienne des sports aériens d'être le championnat national. D'accord. Mais le championnat national d'être la sélection nationale. Voilà, c'est les cinq premiers en Algérie. هما الفريق الوطني هما المنتخب الوطني يعني دارت فينا الثقه رحنا للشامبيونال العرب وجبنا يعني درنا دي بون ريزولتا يعني سواء في الباراموتور او البارابونت يعني الشامبيونال العرب كانت في عاصمه كردستان اربيل في العراق داكور نو اون فا دير كو ميم سي parti Haka, et c'est votre pratique qui vous a laissé organiser head le meeting. Je crois que c'est la première fois moi-même. Voilà. Le meeting qui s'est déroulé le week-end Hada, c'est la première fois que vous faites ça. Voilà, c'est la première fois en Algérie qu'on a fait 20 tiers paramoteurs. D'accord. Il y a des gens qui ont fait des choses. يعني كانت الاجواء جدا رائعه يعني اي نو اون افي نوتر امي ريدا تيب ماسين كي ايتي افيك فو اي كي فوزا اكومباني اون فا سويفر جوست لو ريبورتاج ابري مدنا بوكو بلوس ديكسبليكاسيون سور هاد لو ميتينغ مي اوسي سور بان لافنير دو سيت براتيك دو بارابونت enfin paramoteur on va utiliser après on va vous rectifier allez reportage ريدا تيب ماسين C'est le premier rassemblement des paramotoristes en Algérie. Canou, créé Twitter et tout, mais ça, aujourd'hui, c'est le premier rassemblement. C'est une bonne chose. Nous avons une imkaniyat kibira, khususan hadd sport. Nous avons une imkaniyat kibira, surtout une imkaniyat tabiria. عندنا اكبر سد في الجزائر عندنا مساحات شاسعه باش نمارسوا هذا النشاط سورتو الباراموتور الطيران بالمحرك اللي هو يحتاج يعني يحتاج ميه ديال المسطحه هذه المسطحه وعندنا هنا لي تاع يعني حتى الطيار لو كان يطير يعني راح يحبس له المحرك يعني عنده وين يدير يقوم بالهبوط في اماكن اخرى بكل سلامه بزاف ما درناش ملتقيات على الباراموتير هنا في الجزائر هذا اول ملتقى مور الكوفيد علاش باش نعرفوا بسمه بالرياضه هذه تاع الباراموتير اللي راهي في تطور ملحوظ السنوات الاخيره هذه خاصه العام هذا 2023 كما راكم تشوفوا جاوا المشاركين من عده ولايات كاين درك عندنا اكثر من 20 طيار وبينسير بالمشاركة تاع مدربين كبار في الرياضات الجويه انا بصفتي كطيار تاع طيران شراعي ماشي باراموتور باش نتعرفوا على الرياضه هذه اكثر ونعرفوا الماتريال تاعها واش لازم واش ما لازمش لي مونيتور باسكو الدعوه كانت من الفيدراليه للرياضات الجويه وجينا باش نعرفوا beaucoup plus on t'arrive à Riyadh hadi parce que c'est le premier rassemblement national.
En tout cas, un très grand succès populaire. On a vu beaucoup de familles venir suivre le premier meeting. C'est impressionnant. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui sont là. هما عند بالهم باللي حنا راح نطيروا وخلاص مي حنا خصصنا لي فامي واللي فيزيتور اسباس سبيسيال يعني ميم مورغانيزي يعني تلقى لي زورغانيزاتور كلش يعني كي جاو يعني الناس ارتاحت وقعدت يعني تصور في لا ديسيبلين وتسقسي ومام تم يعني المدربين الرياضيين لي زاتليت تاع لا ديسيبلين هذه يعني كانت فرصه باش الناس عرفت بزاف هاد لا ديسيبلين سي ان بون كو دو بروموسيون بور لا ديسيبلين مليحه باش تعرف روحها اوتوماتيكمون وبي سورتو كو قلت لي اني كو 13 ولايه كي اون بارتيسيبي بوركو 13 باسكو سي لي سول 13 ولايه ويليا هاد فوالا يعني هاد لا ديسيبلين ماهيش في كل انحاء الوطن يعني بوتيت فو لونسي ان ابيل او جون بور يعني شوف رانا يعني عندنا الاهداف باش نروجوا لها في كل انحاء الوطن لكن يعني في الجزائر سي ان نوفو سبور يعني تعتبر رياضه جديده يعني راح تدي يعني شويه الوقت باش تعم اكيد يعني مي 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 سي هاد لي رونكونتر هما اللي يخليوكم اكيد اكيد باش تزيدوا تقدموا اكيد لانه شوف نعطيك مثال احنا في الرونكونتر هذا جاو 20 طيار باراموتر كاين طيار كاين بالك ممكن اللي ما يعرفوش بعضهم تري بيان كانوا اصدقاء فرق برك يعني في دي روزو سوسيو لكن تلاقاو وطاروا مع بعضهم فهمت يعني دي رونكونتر مد اوكازيون حتى انه يتقاسموا لي تكنيك مع بعضهم ولا ليكسبيريونس تاعهم مع بعضهم و يبارطاجيوها كما نقولوها يبارطاجيو لا تكنيك مع بعضهم يعني الميتينغ ماهوش فقط يعني عرف الناس بالرياضه ميم حتى الطيارين عرفوا مع بعضهم بهذه الرياضه يعني وزاد عرف بالناس اللي جاوا تفرجوا سكي تي امبورطون باسكو بلو ليا دو جون كي ريغارد بلو با اون بتيت لي جون فون اتر انكوراجي باش يديروا هذا السبور ويفتشوا عليه اكيد ميم لي زوتوريتي يعني هما اللي جاوا مدوا اشاره الافتتاح يعني عجبتهم بزاف انا تلاقيت السيد الامين العام من الولايه قال لي نقدم لكم كل الدعم قال لي حنا كنا نسمعوا باللي كاين فوالا بارابونت بارامونتير في ميلا قال لي مي نتوما بلو رونكونتر هذا وصلتوا لنا لداخل خلاص الرساله وصلت وحنا ونيلا ان شاء الله نديروا حاجه اللي سكي سري بيان سي بتيتر دو فير لو شامبيونا ناسيونال لابا انا تحدثت مع السيد رئيس الاتحاديه تحدثت مع السيد رئيس الاتحاديه وقلت له لازمك تجيبها هنا سولي انه مام هو شكر الموقع ودارنا مام شهاده عبر موقع عبر الصفحه صفحه الاتحاديه دار يعني بيان رسمي قال لهم فوالا باللي لورغانيزاسيون كانت مليحه السيت امبيكابل يعني السيت اللي نو يتوفر على كل الظروف سي ان سيت اديكوا كي سي بور لا ديسيبلين هادي اي فودري بيتيتر اورغانيزي ميم بور ليكيب ناسيونال فوالا فوالا لي ستاج فيرمي ستاج دو بريباراسيون لي ستاج دو بريباراسيون لي ستاج فيرمي ميم لي نقدروا نديروا حتى لي شامبيون انترناسيونال تري بيان انا من خلال احنا من خلال الخبره تاعي شفت الميدان اللي داروا فيه البطوله العربيه في كردستان بين جنب سد داهوك ماهوش يعني بعيد بزاف على سد بني هارون كونترير بالك لا بالعكس هو موقع حجري وموش مهيئ وباش تهيئ يعني لازم تكاليف كبيره لكن احنا الموقع في ميلا مهيئ ناتشورال من طبيعي نظيف تربه يعني كما نقولوا احنا مليحه يعني مملوك نسقط الطيار ما يتعرضش يعني الاصابات يعني خطيره او سي سا كي بيان دونك سا فو دير كو سي ان سيت كي بو اتر ان سيت دو بارابون Officiellement, voilà, surtout paramoteur, parce que parapente, moi je l'ai vu, il y avait des clubs à Skigda, il y avait dans d'autres wilayas, je ne sais pas si ça existe toujours, mais bon, probablement, c'est bien de relancer de la discipline qui n'est pas très connue, je ne sais pas, mais je ne sais pas beaucoup, mais je ne sais pas. Wallah, chouf, c'est un sport, ce n'est pas donné à tout le monde, il y a un domaine, comme on dit, il y a un domaine. C'est pour ça بالك ممكن même le mouvement c'est il faut pas avoir le vertige voilà كيما انا ما نقدرش ندير كاين كيما انا السباح كاين اللي عنده لاكروفوبي ما يقدرش على الاماكن المرتفعه لكن يعني هما 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 في العالم يسميهم لي فامي ايريا العائله الجويه تروح لفرنسا تلقى 1000 تجي للجزائر تلقى 100 تروح لايطاليا تلقى 50 مثلا شغل يعني سي با دوني ا تول مون سي سبيسيفيك اون ا كومبري كو سولمون سيرتان بو فير مي جو بونس كو سو كي فول لو فير واش لازم يديروا اسكو يجيو عندك يتعلموا اوتوماتيك حنا شوف حنا نديروا لي باتيم دولار
نديروا طيران ترفيهي للناس اللي باسيوني، يعني الناس اللي حابه عندها الشغف او بيان لي زانتيريسي اللي حابين يديروا لي باتيم دو لار طيران ترفيهي، يعني لي فول دو لوازير، او بيان اللي يحب يدير فورماسيون يتصل بينا حنا نقدروا نديروا له فورماسيون سواء بارابونت او بيان باراموتور ويعني ويمارسها بكل يعني احترافيه وبكل يعني افيك دي مونيتور يعني اللي كاليفي بيان ما يخافوش بيان سور اوتوماتيكمون يعني افيك دي مونيتور كاليفي مؤهلين متحصلين على شهادات في التدريب ومنهم حتى دي شامبيون يعني شامبيون في هذا الميدان. Très bien, on arrive à la fin. Moi, je me permets N'Golik Hamidou. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose pour convaincre les gens, puis surtout Blacken, peut-être pour inciter d'autres wilayas à ouvrir des clubs? Il faut lancer un appel. Goutli, à l'ouest du pays, c'est pas très connu comme discipline. Bon, voilà, comme je disais, dans le Gharb, يعني ما في الغرب الجزائري ما كاينش لا ديسيبلين هادي بزاف. يعني من انه يعني عندهم كما في مستغانم عندهم مواقع رائعة يعني جبال وطلع البحر يعني يمكن ممارسة هذا النشاط. احنا يعني من هاد الحصة يعني الناس اللي تحب تدير نوادي مرحبا بها احنا نوجهوها. مام الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية التعاون يعني تعاون ودير تكوين الناس اللي حاب يعني حابين يكريو دي كلوب عندهم ماشي بروبليم يتصلوا بينا برك وراح نوجههم وانا على بالي كما قصك يعني الاتحاديه راهي مدى بها يكونوا عندها نوادي في كل اقطار الوطن باش تكبر هاد لا ديسيبلين وعلى قد ما تكبر لا ديسيبلين راح يخرجوا المواهب في هاد لا ديسيبلين وراح تكون احترافيه اكثر ان شاء الله. Alors vous savez moi à votre place je vais demander à ma collègue Imen Mahalokalas Doran bien de consacrer aussi un petit reportage de promotion peut-être du parapente de ce sport à l'ouest du pays parce qu'elle présente le Bonjour d'Algérie à l'ouest du pays à partir d'Oran. Peut-être que il faudrait trouver des émules pour ce sport qui est très beau et très aérien pour ceux qui aiment l'altitude, les émotions fortes. Voilà. Un dernier mot, Hamidou, avant de nous quitter. Le dernier mot, je vous remercie pour l'estidafa. C'est comme ça. Et cette discipline, يعني يعني بواسطة قماش وخيوط راح يعني راح فوالا راح اون في لو غيف ديكار افيك ان بو دو تعطيك الصحة راح تكسب ارتفاعات كبيرة ويعني كما قصدك بواسطة قماش وخيوط يعني وبكل سلامة لأنه هذا الميدلا يعني مدروسة ومخدومة يعني لي كونسيبتور اللي خدمها يعني باش تكون بيان سور يا با دو ريسك بأمان فوالا يعني وما كانش خوف يعني هذا علما انه هي علما انها رياضه خطيره لكن يعني كي تكون الممارسه تاعها يعني وفق المقاييس تاعها يعني ما كانش خاطر ما كانش خوف يعني تمارسها بكل ارتياحيه. ميرسي بوكو بالمهوب احمد دي حميدو كي بريزيدون دو لاسوسياسيون بارابونت كابيلا سي سا ولا لو كلوب سبورتيف اماتور فولا فوال ميلا. Très bien, voilà. Donc, quand vous avez tous les renseignements, essayez peut-être d'entrer en contact avec Belmouhoub Hamidou pour essayer bien, de propager cette discipline bien, très aérienne, mais qui est le rêve d'Icare quand même. Hein. C'est important, depuis la mythologie grecque, on rêve de monter dans les airs avec seulement nos propres moyens. Ça, bien, voilà maintenant les moyens. Il n'y a pas que seulement l'avion. On peut voyager dans les airs avec quelque chose de très simple, mais c'est très beau. Alors, merci de nous avoir rendu visite. Moi, je vais vous rendre quand même votre médaille. Je ne vais pas la garder. Et je vais vous offrir une chanson pour passer eh bien, à un volet traditionnel qui est Tsqtar al-Ma ou l'Ward, Ma-Ward ou Mazhar, Fiqsamtena. Mais en attendant, on va écouter une chanson. Kamaroun, plutôt pas chanson, plutôt un intermède musical Kamaroun de l'association Maqam.
Cameroun, c'est pour rester dans l'ambiance constantinoise avec ce Becharaf repêché par l'association Maqam. Et on va parler maintenant de distillation, donc Taqtar, Ta'alma, Ward ou Mazhar, mais aussi maintenant il y a le clou de girofle, il y a Zatar, il y a Chir, il y a tout. Maintenant, on distille tout à Constantine, n'est-ce pas, Wassila? Effectivement. Marhaba bik d'abord, Wassila. Aïssek, merci. C'est un honneur d'être là. Voilà, Hadi, c'est la période à Taqtar. Alors, à Constantine, on en fait une fête. C'est la fête depuis toujours. Maintenant, ça devient un rituel. Voilà, tradition. C'est un rituel traditionnel. C'est une fête, disons, à la wilaya. Donc, chaque année, la période entre fin mars, début avril, on commence la distillation. On commence d'abord par l'odeur de fleurs d'oranger, qui voilà. Est zhar. Alors, il faut expliquer que c'est pas seulement mais c'est aussi pour célébrer l'arrivée du printemps. Voilà. Qui est la saison. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on en fait une fête. Voilà. C'est une saison gaie, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Donc, Ndéloha, pratiquement, toutes les familles constantinoises, c'est de tradition, on va dire. C'est une tradition. Une tradition dans toutes les maisons. Voilà. C'est tout le monde. Il faut dire qu'on n'en fait pas un commerce. C'est un truc qui se fait en famille. Voilà. Qui se faisait en famille. Bon, voilà. Maintenant, tout a changé, bien sûr, avec le temps. Mais on le fait toujours. Avant, on le faisait... C'est des rituels. Et tout le monde est content. On dit Zerda, en quelque sorte. Zerda, c'est pour réunir tout le monde, et partager surtout. On partage ce moment. On dit l'aoulat à l'année. Voilà. Et aussi, voilà, c'est l'emplette, c'est la réserve annuelle. La réserve annuelle. La faire qu'une fois par an. Une fois par an. Ouais. Donc, on commence par la distillation d'eau de fleurs d'oranger, qui est Zhar. Parce que, bon, dans le mois d'avril. C'est les premiers bourgeons de l'orangerie. C'est les premiers bourgeons, voilà. Exactement. Donc, on dit le rituel de bon matin. On va dire le Qatar, on va dire le tanjara. Bien sûr. On va dire le gharbal. هو الغربال تاع الزهر وتاع الورد مش كيف كي تاع الورد يجي مشوشي وتاع الزهر يجي اغا نحطه في الطنجره ومن بعد نكيلوا الماء ميم تكيال تاع الماء اللي ديفيرون تخ لي دو باسكو الورد خفيف ما فيهش الروح كيما يقولوا الورد اومي لا مان كوم سا على الانتيريور داخل الطنجره لا ميزور اي فريمون مانيوال مزور... افيك لا مان وي افيك لا مان الوغ كو الزهر اون في سا دونك سا في ان بو بلوس دو داكور وي دونك يكيلوا نحطوا شويه ملح في الزهر شويه ان تو بيتي بو دو سيل في الورد اون جينيرال ما نحطوش حطوا البرمه الطنجره فوق الطابونه ا فو تري دو نغطيو القطار نقفلوه تري بيان كيما حنا نقولوا بالقفيله هذيك البيضه نحطوا المغلفه في منين يبدا يقطر المغلفه سي لا بوتي كي ريسوا سي لا بوتي كي ريسوا دونك اومي المغلفه. Et on met, alors la précision, c'est qu'on met en haut de l'eau froide et en bas de l'eau chaude qui bouille. Voilà. Qui commence à bouillir tout doucement, sur un feu très doux. Et c'est ça la distillation. Justement, le qatar, il est fait pour. Il est fait pour ça, pour qu'il y ait le choc thermique et en même temps, l'eau doit être toujours froide. En haut, elle doit être toujours froide pour avoir le. Voilà, le c'est bon très sucre. Ingénieux de la part de nos aînés, de nos grands-mères, qui transmettaient ce savoir avec beaucoup de passion. Et puis, voilà. Et puis, il faut dire que depuis quelques années, la période est devenue propice pour une fête dans toute la ville. Maintenant, on organise des expositions, comme actuellement au Palais de la Culture, à la Maison de Culture aussi, le Khalifa, qui a des expositions où tout le monde est en train d'exposer pour vendre ce produit qui est devenu très prisé. Oui, il a toujours été prisé. Mais là, on le fait d'une manière commerciale. Et là, on le fait d'une manière commerciale parce que c'est un petit peu, disons, dans tout le pays. C'est tout le pays qui demande ça. Ça a dépassé les frontières de la wilaya. Ça a dépassé les frontières de la wilaya. Alors cette année, on en a fait une grande fête. Il y a eu un grand défilé dans la ville.
C'était vraiment très beau. Hatta le Qattar, il était très vraiment bien. Alors notre consoeur, sur un piédestal, disons. Voilà, notre consoeur Linda Chaben était présente. Elle s'est rendue eh bien, pour voir ce qu'était la fête hein, de l'Ars. Parce que moi je dis Ars, voilà. C'est une fête qui n'est pas un festival, mais c'est toujours un moment festif qui fait que eh bien, ça se déroule dans une ambiance très spéciale. Reportage Linda Chaben. كيفاه يقطر وكل واحد والكيل تاعو درك هي على قد ما تكون لا كونتيتي تاع الزهر راح الزهر تاعك يخرج مليح ينص القطار كلش وكي نزيدو نرميو الكبه نزيدو نحيوها ونزيدو نغسلو هذيك القفيله نزيدو كي العاده ندقوها في العظمه والفرينه نزيدو نديرو واعر بكري ماشي كيما درك الاول ينزل هذاك هو راس قطار وما ورد ما فيهش الجر فيه قرعة راس قطار وخلاص ما فيهش الجري مش كونتر الزهر فيه ديري قرعة الأولى راس قطار وزيدوا لي الثانية وزيدوا الثالثة الجر نهتموا سيغتو بالمنتوج المنتوج لازم يتوق بطريقة راقية ومليحة والمنتوج بربي إن شاء الله ما ملي يذوقو يعاود يولي كل عام يحوس عليه تقسم طينا من عادات القديمة من بكري جدادنا كانوا يقطروا كل عام لازمنا نقطروا يغسلوا به كان اللي يغسلوا الفاش تاعهم الغطاء وهذيك الحوايج تاعهم اللي يخبيوهم يحكموا هذاك الماء اللي يقطعوه اللي يبقى تاع القطة يغسلوا به الغطاء والزوار تاعهم ويخبيوه On a pu se rendre compte qu'il y avait une belle ambiance à l'entame de ces journées qui vont durer jusqu'au 18 avril. L'exposition est toujours présente à la Maison de Culture Mohamed Laït Khalifa pour que les gens qui n'ont pas encore eu leur mrelfa peuvent se rendre, bien sûr, parce que là-bas, il y a toujours de l'exposition. Bon, alors, c'est vrai, on a vu la manière traditionnelle, on a vu la fête, mais pour en faire quoi exactement ? Bon, déjà, le mazhar ou le mawrd, on ne dit pas le mazhar ou le mawrd, le zhar ou le ward. Le zhar ou le ward. Voilà. Le zhar, on l'utilise en général dans le khubz d'dar, dans le chérik, dans le hajat al-gharz, kak, le mqrod, surtout, parce que le mqrod, il est toujours là. Le ward, on l'utilise dans deux trucs. Donc, on a le côté culinaire, on a les gâteaux, tout ce qui est djouz ou louz. On a fait le ward. Ça veut dire le baklawa, Voilà, tout ce qui est le ward. Très bien. Parce que ça donne un autre goût. Et vraiment, il y a une différence. Ah oui, une grande. Oui, une grande différence. On a fait dans le côté cosmétique, quoi. On nettoie avec les yeux, on nettoie la peau. C'est un bon nettoyant de la peau. D'ailleurs, les grands films cosmétiques, oui, c'est vrai qu'on on utilise l'eau de rose. Voilà.
Voilà. Puis la tamina, alors la tamina qui est tamina al-bayda. Tamina al-bayda qui est faite spécialement pour l'événement. Pour l'événement. La la la. نهار صباح تقطار نطيبوا التمينة البيضاء يفطروا بها الصباح نحطوا نهزوا كعبشات هك صغيرين نحطوهم في الطابونة نحطوا حجيرات سكر معاها في الطابونة نرميوا شوية جاوي نشعلوا العنبر نبخروا الدار ولي بروميير غوت لي توت بروميير غوت دو تاع الزهر نهزوهم ولا تاع الورد نهزوهم الاولين ورشوا بهم الدار تري بيان tous les coins de la maison hakda pour en faire ngolo bach djina inchallah jiam zahar zahar wa mourad inchallah inchallah donc c'est une pratique et puis surtout faut dire que ça aide c'est un élément très important dans la cuisine dans l'art culinaire constantinois oui. que ce soit pour les plats sucrés ou salés oui parce qu'il faut le dire qu'on utilise aussi dans les plats oui non. on utilise surtout les plats sucrés Michel Wesh, Erfis. Michel Wesh, Tof, qui m'a dit. Mhalbi. Mhalbi, bien sûr. Michel Wesh, Mhalbi. Belouza, Kulchin Dirouba, Belward. Tof, les salades de fruits. Ouais. On utilise les salades de fruits aussi. Voilà, donc c'est, on va dire que c'est une bonne tradition qui est bien ancrée. On dit que dans le cas du Gars, on dit que Gars Sultan, on dit que le Baraj, Farbé, on dit que le Zahar. D'accord. Oui, c'est un truc, c'est un rituel li kulchi lazk fi bada. Puis le plus courant li nafou azhar c'est fi lqahwa quand même. Alors le café, les deux gouttes sur le café. Lqahwa dima el marach fih azhar ras el qattar il le faut. Ouais. Hna drka on essaie de perpétuer cette tradition. Lazna ndouha loulatna, comme on le dit toujours, qui ma drka quand même ma Alors sincèrement, on va poser une question indiscrète. D'accord. Est-ce que vous avez déjà commencé à l'enseigner à votre fille ? Bon, pour moi, c'est surtout la spécialité gâteau. Ah d'accord. Alors pour les gâteaux, oui. Vous je avez commencé déjà ? Ah oui, je commence à lui enseigner. En général, on commence par quoi ? La première chose à enseigner ? Bon, on commence par les petits gâteaux. D'accord. Surtout avec les jeunes filles, Dorka, elles sont un petit peu... Comme vous étiez, vous, à votre époque, c'est un cas de... Comme on l'était les peut-être, mamans... ah bah oui, bah oui, voilà. Donc, on commence un petit peu avec les petits gâteaux. En bada, dès qu'on commence, par exemple, la handir mqrod. Alors, je peux le faire toute seule. Oui, mais... Qu'est-ce que je fais ? Je l'appelle. Ouais. Bah, tu viens m'aider, tu me verses Mets la main dans la pâte, comme on Voilà, tu me verses un petit peu de zahar, tu me mets un petit peu de word. Non, arrête, c'est bon. Donc là, elle commence déjà à voir les quantités, à voir comment qu'on fait la chose. C'est comme ça qu'on a appris. Voilà, c'est... Personnellement, elle ne m'a jamais donné un truc. Elle m'a dit, voilà, c'est tu vas faire leçons. ceci, cela, et ouais. tu vas... Non, j'ai toujours vu ma mère faire la chose. Et du coup, j'ai appris. En fait, avec le temps, bien sûr, on demande un petit peu les quantités et tout ça. On les apprend avec le temps. On est dans le cas, quoi que... Je le dis et je le redis. Oui. Les gâteaux traditionnels et les rituels traditionnels, il ne faut pas qu'on les change. C'est vrai que les temps changent. Mais nos traditions... On évolue. Oui, mais... C'est la tradition et la tradition. Voilà. Un gâteau, une baklava, c'est une baklava. Ouais. On ne peut pas la changer. Voilà, il n'y a pas de revisiter. Voilà. Alors ce mot, je demande à tout Vous le monde ne l'aimez de l'enlever. Pas. Mais quand même, on laisse le libre choix, aux gens de revisiter, mais tout en laissant ce qui est traditionnel, on le transmet Exactement. De manière fidèle et... Bon, pour ce qui est revu, on peut faire évoluer fantaisies. Dans la chose. On peut être fantaisiste oui. un peu. Mais la tradition est la tradition, Inch'Allah. Voilà, allez, on va rester sur ça. Un dernier mot peut-être, Wessila, tout en vous remerciant eh bien, de nous avoir déplacé. Eh bien, tout ça, Nabil, tu peux remontrer, hein, parce que c'est bien de montrer l'mrelfa, le petit qatar, tout ce qui est là sur la table. Même moi, j'ai un peu de... Je suis à Ward Bashinchem. C'est très bon, ça. C'est une belle odeur. Wessila, merci beaucoup. Wessila Bachati, je rappelle que vous êtes artisane, mais architecte de formation. Merci. Et merci de nous avoir fait le plaisir d'être là avec nous. Merci de nous avoir ramené eh bien, tout ce qu'il y a ici. Hein. C'est toutes ces petites poupées qui racontent l'histoire eh bien, de la culture algérienne, du patrimoine algérien, constantinois en particulier, mais c'est toute l'Algérie qui est présente à travers eh bien, tout ce qu'on montre sur la table. Wessila, merci, on vous souhaite un bon courage. Merci. J'espère que l'âme est en Inch'Allah, on se retrouve en direct. Voilà. Pourquoi pas ? Allez,
On prend Inch'Allah la carte de l'Arbi Flamor. L'année prochaine, on fera la distillation en direct ici. Oui. Ah, très bien. Merci aussi, la Bechéchi, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été notre invité pour nous parler de Mawar, des Mazhar, dans la culture constantinoise, dans le patrimoine algérien. Voilà, on arrive au terme de ce Bonjour d'Algérie hebdomadaire à partir de Constantine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, si tout va bien. Ici, dans ce même endroit, on arrivera peut-être au dernier jour du mois du patrimoine. J'espère qu'on parlera aussi du patrimoine algérien. Alors, je vais remercier toute l'équipe qui m'a accompagné depuis tôt ce matin. Ils étaient mobilisés pour vous permettre de suivre en direct ce Bonjour d'Algérie, bien aromatisé avec Mawart. Allez, à la semaine prochaine, passez un excellent week-end. Merci à toute l'équipe, ils étaient sous la baguette bien de Nabil Yagoubi, mais aussi toute l'équipe qui est mobilisée là. Merci beaucoup mes amis, à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon week-end.